une vingtaine de rires. Un formidable pied de nez. D'abord, c'est un petit clin d'œil au syndrome Not Invented Here. Et deux, c'est, je pense, aussi une façon de clamer la proximité, le local, la fierté d'avoir créé des choses. On voit aux États-Unis, beaucoup de gens clament inventé en Californie, créé en Californie, même si c'est fabriqué en Chine. Il y a une valeur à clamer, ça a été fait ici, ça a été fait par moi. La plus grande innovation en France, pour moi, c'est le TGV, qui a révolutionné la carte de France. C'est-à-dire qu'avant, on avait une carte de France qui fonctionnait avec des kilomètres. Aujourd'hui, cette carte de France, elle a totalement changé puisqu'elle est basée sur le temps. Et donc, elle a totalement. Les distances ont changé puisque les distances sont une question de temps maintenant. Marie Curie, qui a eu deux prix Nobel. Prix Nobel de physique en 1903 pour ses travaux sur les radiations. Et prix Nobel de chimie en 1911 pour ses travaux sur le radium et le polonium. Donc, il y a un siècle et cette femme a eu deux prix Nobel. Donc elle est extraordinaire. Alors c'est pas un domaine qui doit se réinventer, en fait c'est tous les domaines sont en train de se réinventer. Je crois qu'à cette ère du digital qui amène une transformation dans toutes les entreprises, dans tous les secteurs d'activité, que ce soit dans l'automobile, dans l'industrie, dans le transport, dans la distribution, dans les télécoms, il n'y a pas un secteur qui n'est pas en train de se réinventer. Donc ça ouvre des champs d'opportunités formidables pour à la fois les créatifs, mais aussi pour toutes les personnes qui sont, je dirais, en charge des transformations au sein de l'entreprise. Ça remet beaucoup d'humains et ça permet aussi de revisiter un certain nombre de démarches, de process, centrés sur les utilisateurs, que ce soit les clients ou les gens à l'intérieur de l'entreprise. De très nombreuses qualités, en fait. La première, c'est la vision. C'est la capacité à y voir clair dans un champ de vie qui est de plus en plus complexe. Donc, c'est une vision pour savoir amener les choses. Et puis, la deuxième qualité, c'est de l'énergie. Et de l'énergie dans une capacité d'entraînement, de partage et d'arriver effectivement à mettre autour de soi, sur des projets, sur des idées, sur des intuitions, toute une équipe autour de soi pour faire en sorte de créer des choses nouvelles et intéressantes et innovantes. J'attends d'être émerveillé, d'en prendre plein le visage, d'en prendre plein le cerveau, de faire des très belles rencontres, et puis que ça puisse m'aider à avancer un peu mieux, un peu plus, d'y voir clair, d'avoir une sorte de respiration. Et j'attends beaucoup d'oxygène de ce TEDx Woman Champs-Élysées.